dis, Madeleine, change de disque. T'en connais pas une autre, non? Moi, je l'aime parce qu'elle est triste. Tiens ton whisky, du soda, il n'y en a pas. Oh, ça fait rien, il le boira comme ça. Ça fait la deuxième bouteille depuis ce matin. Ça doit être un type qui a des malheurs, ou bien qui en fait aux autres. Sûrement, elle arrête pas de pleurer. Dis donc, on va au cinéma ce soir? Je peux pas, la patronne est sortie. Oh, elle nous court, ta patronne. Excusez-nous. Monsieur, excusez-moi aussi. Sur le moment, je me demandais ce qui m'arrivait. C'est encore la faute de cette chanson. À chaque fois que je la chante, top, il m'arrive quelque chose d'imprévu. Vous êtes bien gay, mademoiselle. Oh, ben forcément, quand on prend les choses en chantant, ça aide à vivre. Oui, ça aide à vivre. Mais où est-ce là? C'était une histoire. Pourquoi as-tu voulu m'emmener avec toi? Tu crois que c'est beau à voir, une femme qui pleure? C'était beau dans le film muet à cause de la musique. Tu te rappelles pendant les grandes scènes d'adieu, le pianiste qui jouait les nocturnes de Chopin pour t'aider à trouver tes larmes? Et elle venait toujours, tes larmes. Oui, c'était facile. Comment faisais-tu? Je m'imaginais que tu allais me quitter. Je me répétais tout bas, il va me quitter, il va me quitter. Ça suffisait, je me mettais à pleurer tout de suite. Tu ne m'as jamais dit que tu employais ce procédé? Bien sûr, tu aurais été capable de me quitter vraiment pour vérifier. Mais non, je ne suis pas si cruel. Tu me flattes beaucoup. D'ailleurs, maintenant, tu peux vérifier. Tu crois que je pleure parce que je pense à mes films? Non, je pleure parce que tu vas me quitter. Tu perds la tête. Si tu vas me quitter. C'est fatal, tu me caches la décision, mais je la sens déjà dans ton regard. Tiens, la façon dont tu jettes ta cigarette. D'ailleurs, pourquoi m'as-tu aimé? Parce que j'étais ta découverte, ta création, ton étoile, comme tu disais. Ton étoile est retombée dans la nuit, c'est fini. Le feu d'artifice est terminé. Le mouvement est assez juste, mais le texte est un peu long. Oh, tu peux rire. Mais évidemment, tu continueras à tourner tes films parlants. Tu continueras à travailler. Moi, je serai loin. Pas si loin que ça. Je t'offre ma maison de Beaugency. J'irai te retrouver chaque semaine. Chaque soir, peut-être. Tu n'en trouveras personne. J'aurais disparu. J'aime mieux mendier sur les routes, tu entends? J'aime mieux laver la vaisselle dans les bars plutôt que de te savoir une autre femme. Mais tu ne comprends donc pas que je vais te perdre, que c'est fini entre nous. Je permets à la rigueur de pleurer, mais je te défends d'élever la voix. À cause des voisins? Non. À cause des souvenirs. Je ne désire pas encore que tu t'en lises devant moi. Pardonne-moi, mon chéri, mais je ne sais plus ce que je dis. Oh, Julien, cette chanson est toujours la même et qui me rend folle. Tu ne l'entendras plus. Ça ne peut pas durer toujours. Combien gagnez-vous par mois dans cet hôtel? Moi, combien je... Moi, peu importe, je vous offre le double, par jour, que je peux d'avance. 1000 francs? Pourquoi faire? Pour ne pas chanter. Pour ne pas chanter? Non, oui, tout simplement. Vous continuez votre service ici, comme d'habitude, mais tant que nous serons à l'hôtel, vous ne chanterez plus. Compris? Mais monsieur... La masse, alors... Voyons, Stella, tu n'avais pas fait une chose pareille. Ça n'a pas de nom, c'est idiot! Tu, Vérona, a ton idée. D'abord, on ne prend pas de Vérona. C'est le mauvais goût. Tu n'as pas pensé à la peine que tu allais me faire? Tu es imbécile. Tu vas me promettre de ne pas recommencer, tu entends?
Bon. Maintenant, regarde-moi. Peux-tu me regarder mieux que ça? T'as repris ton petit visage d'autrefois. Du temps, tu ne t'appelais pas encore Stella. Tu étais la petite Françoise de chez Lanvin. Avec un grand carton sous le bras et un petit bibi de 4 sous sur la tête. Bonjour, Françoise. Françoise, écoute-moi. C'est décidé. Je refuse mon prochain film. On va faire un grand voyage, un vrai. On s'en ira tous les deux. Tu veux bien? Ça vaut tout de même mieux que de partir toute seule comme tu allais le faire. Et puis, un voyage en auto, c'est peut-être moins rapide. Mais c'est tout de même plus agréable qu'un voyage au Vérona. Je trouve pas. Quand je pense que j'aurais pu arriver une minute trop tard, tiens, tu mériterais que je te batte. Bon. Alors, on sort ce soir? Mais je te dis que je peux pas t'obstiner tout de même. T'as bien 10 minutes tout à l'heure. Ah, 10 minutes, oui. Bon, alors on ira faire un tour. Un tour où ça? C'est une surprise. Une surprise, qu'est-ce que c'est? Si je te le dis, ça sera plus une surprise. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, ben alors à tout à l'heure, grue-toi, hein. Tu me retrouveras devant le garage. C'est une histoire d'amour. Oh, celle-là! Je regrette, mais tu vas l'entendre tous les jours et pendant longtemps. Pourquoi tu veux rester ici? Non, 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 je t'expliquerai.